Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand on tombe sur ce message, l'iPad est désactivé. Allez, c'est parti! La première chose à faire, c'est d'utiliser iTunes. Je suis sur Windows, donc ça ne gêne en rien. J'ai téléchargé iTunes, je branche ici mon iPad, je vais appuyer sur le bouton ici Power et le bouton Home, 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche le bouton Power, je maintiens le bouton Home, et là, je passe en DFU ou mode recovery. Dans ce cas-là, il me propose, donc il me dit que l'iPad a un problème. Il me propose la mise à jour. Vous pouvez essayer. Là, bon, je vais le faire, je l'ai déjà fait. Le problème, c'est que la mise à jour me laisse mon iPad désactivé. Mais c'est une des premières pistes à tester. À voir si pour vous ça résout votre problème. Première option, la mise à jour. Il redémarre. Et il nous affiche toujours ce message est désactivé. On va essayer la deuxième option qui va être de le restaurer par l'iTunes. Donc pareil, on compte 10 en appuyant sur le bouton Power et Home. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton Power, on garde le bouton Home appuyé jusqu'à temps que iTunes le détecte. Donc on va restaurer l'iPad. Donc vous avez un gros warning forcément parce que si vous le restaurez, vous perdez, toutes les données seront effacées. Donc iTunes va tout simplement préparer la restauration du logiciel. Et donc, comme on peut voir, notre tablette a redémarré et on se retrouve sur la configuration de base. Au niveau du PC, il nous demande les identifiants Apple, ce qui est tout à fait logique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !